cette vidéo là ça sera pas du début parce que je suis à la fin du jeu hein. Donc là vous voyez 94%, même si on peut aller au-delà. Donc le truc en... ça va peut-être être chaud avec le truc de misseur en fait qui s'affiche en bas à droite. Je vois en fait le temps et tout, micro machin caméra. Vu que ça prend un petit peu de place sur l'écran, je sais pas si je vais pouvoir tout voir. Mais on va essayer donc de finir ce jeu là. Donc je suis au dernier boss en fait. Et franchement j'ai passé vraiment du bon temps sur ce jeu. C'est vraiment un bon jeu quoi. Par contre il faut que je trouve. Ça fait un petit moment en fait que j'ai pas joué. Ça fait au moins ça fait une semaine à peu près que j'ai pas rejoué au jeu. Il va falloir que je me remette dans le bain. Et vu que c'est un jeu quand même qui est plutôt... C'est pas un jeu... Il y a beaucoup de... Il est pas si dur que ça non plus. Faut pas exagérer. C'est surtout un jeu qui demande beaucoup de rigueur en fait. Faut vraiment être concentré. Et c'est vrai que si on n'est pas concentré, bah... C'est un jeu très très dur dans ce cas-là. Ah, par exemple... Je suis mort en tout 181. Je suis à la fin du jeu. Sachant que bon, parfois, j'avais fait des mini vidéo tests en fait pour le casque que j'ai, le micro et tout, j'étais mort. Donc, franchement, tout et pour tout, ouais, j'ai dû mourir peut-être 160 fois, entre 150 et 160 fois, pour arriver jusqu'à la fin du jeu. Oui, en plus. J'ai fait le dernier boss juste 2-3 fois. Et j'ai vu qu'il y avait un truc qu'on pouvait débloquer. Ah d'accord, c'est comme ça que ça marche. Pas mal la musique au piano. Ah, après ce qu'on peut faire, il y a aussi un niveau où j'ai pas eu toutes les pièces, il manque une pièce dans un niveau. Et ça, j'avoue que ça me fait chier. Alors attendez, comment on joue déjà? J'ai ce shot. Super charme, ok. Par contre, ce qu'on pourra faire, donc quand j'aurai tué ce boss là, on pourra faire le peut-être en mode expert. Ah, là par exemple, vous voyez, je vois pas les réponses à cause du mixeur. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est bon. Donc ça va peut-être cacher des trucs au niveau de l'écran. Bon, je vais essayer de faire des vidéos d'une heure hein, par contre maintenant, parce que franchement, Metal of Honor aussi, vu qu'il a fait... Je crois que c'était une vidéo de 1h20 à peu près. Après les vidéos de The Turing Test, j'ai uploadé franchement 1h40 et tout, 2h. Faut que j'arrête. Par quoi, comment on tire? Ah ok. Ah
putain. Ah putain, il a fait une autre fois. Faut vraiment que je me remette dans le bain là. Je sais pas si j'ai une bonne arme. Elle fait beaucoup de fois quand même. Je suis pris la rose. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait hein? Qu'est-ce que je suis pris? J'ai pas compris. Hein. Merde. Ah oui. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le stick est parti en couille. Oh putain, le stick est parti en couille. Je suis en train de réfléchir en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais quitter. Je vais changer d'arme. Le truc qui lobe en fait, ça sert à rien vu que je ne touche pas. J'ai toujours un petit café hein, quand je suis en train de jouer. J'ai pas le tir en fait unique. Je vais peut-être prendre ça. Parce que ça aussi je pense pas que je puisse toucher. Il a la tête trop haut. Enfin trop haute. Ça est-ce que vous met l'invincibilité? Bah, j'avoue que pour le moment ça aussi ouais pour le toucher c'est chaud. Peut-être prendre l'invincibilité, je sais pas. Je sais pas. Charme, ouais. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux là, Smoke Bomb. Putain, la vache, les temps de chargement ils ont diminué ou quoi? Ah non. C'était juste pour la cutscene, j'ai rien dit. J'ai rien dit! Ça, c'est vrai que les temps de chargement ils sont un petit peu longués quand même. C'est vraiment dommage. Ah, c'est long, hein. C'est long. Et c'est comme ça, tiens. Ah, c'est chaud quand même. Ah, il m'a touché. Ouais, j'aurais dû changer d'arme. C'est ma faute. J'aurais dû changer d'arme. Oh mais non! Elle fait vraiment beaucoup de fois l'araignée. Mais j'ai sauté au-dessus. Ah ben, on venait d'arriver dans la nouvelle phase en fait. Voilà. La deuxième phase, j'ai vu une fois on tombe dans le trou avec lui. J'essaye de voir en fait ce qui aurait mieux comme arme. J'hésite encore un petit peu.
j'ai failli me faire avoir. Il vient pas vers nous en fait quand il fait l'araignée. Ok, c'est une flamme. Oh, je suis allé dessus. Oh mais non. Je fais mais n'importe quoi. Mais... Attendez, c'est un bug ou quoi? La tête, elle était à droite. Il n'y avait pas de bonhomme qui était en train de venir. Celui qui était en train de venir, on le voit derrière le pilier. Je suis mort comment? Mais je suis mort comment? C'est pas la première fois que ça me fait ça. Je comprends pas. Comment est-ce que je suis mort? S'il vous plaît. Ouais, là, j'avoue... bof. Bof, bof. J'ai essayé avec les 5 cœurs. 4. C'est peut-être mieux avec 4. Parce que c'est vrai que 5, on fait quand même beaucoup moins de dégâts. J'ai essayé avec 4. On va enlever le dash. On va voir avec 4 cœurs. Mais c'est vrai que là, je suis quand même dégoûté. Hein. Ok, peut-être 5. On va essayer avec 5 cœurs, tiens. Pour voir comme ça, on va pouvoir s'entraîner sur les autres phases aussi du boss. Une fois qu'on se sera entraîné, on fera tomber le truc à 4 ou 3 cœurs. Mais là, j'aimerais bien comprendre le... Je sais pas si c'est un bug, le fait qu'il nous touche comme ça. Il aurait pas dû me toucher tout à l'heure, hein, sur les deux fois où je suis mort. Allez, donc là, faut que je fasse gaffe, j'ai plus le dash. Pense bien. Ça commence super bien. J'ai oublié que ça faisait rien, ça aussi. Ah, mais oui, putain. Je suis pas habitué en fait à pas avoir le dash smoke. Enfin, à ne pas l'utiliser. Donc du coup... Ah putain, elle est venue sur moi la boule. Ah là je suis pas mort putain. C'est quoi ce bug? Pourquoi je suis mort tout à l'heure? Là je comprends pas vraiment. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh pareil, il venait de passer à sa deuxième forme. C'est quoi ce truc là qu'il nous a fait? Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Il est con. Les boules partent toujours vers la droite en fait. Jamais à l'intérieur. J'ai l'impression en tout cas. Bon là, je ne touche pas vraiment quand il fait. Ah putain, j'oublie. J'ai pas le putain de smoke dash. Putain, je suis con quoi. D'accord. Ça c'est super simple, éviter les boules, mais faut juste bien faire gaffe s'il fait ces boules là ou pas. Ah ça par contre, je savais pas qu'il nous tuait quand il faisait ça. Je savais pas. Bon, on va exit map.
On va mettre 4 coeurs, ouais. Je pense que c'est mieux 4 coeurs. Parce que 5 coeurs, on fait vraiment pas assez de dégâts. Et peut-être qu'on va faire le niveau parce que j'avoue que le fait de pas avoir la... l'arme qui fait des gros dégâts. En tout cas, le premier monde était vraiment bien dans Cuphead. C'est un petit peu un monde tuto. Donc il est pas si dur que ça en fait, c'est ce qui nous apprend les bases de Cuphead. Le monde 2 par contre j'ai trouvé un petit peu plus chaud, même largement plus chaud que le monde 3. Par contre le monde 3 de Cuphead, mais je l'ai dévoré le truc, hein. Je suis mort mais j'ai dû mourir au monde 3 mais moins de 20 fois sur tous les boss quoi, tellement il était simple le monde 3. C'est pour ça la difficulté est assez bizarre quand même. Le fait que... Putain mais je suis débile ou quoi? J'arrête de parler. Donc voilà, le monde 3. Voilà. Oh non! Mais c'est quoi ce truc? Mais pourquoi il me touche? Mais c'est un bug! C'est un bug en fait. Je suis deg! A chaque fois il va me toucher en fait. Quand il vient depuis la droite et que moi je suis obligé d'aller à gauche, il va me toucher à chaque fois quoi. C'est horrible! Mais qu'est-ce qu'il y a à gauche en fait? Pourquoi il me touche à chaque fois? J'arrive pas à comprendre. Oh là là. Là par contre c'est la première fois. Comment je fais pour... Bon. Quoi? Oh là là. On va retry. Peut-être que je regarde sur internet pour le bug avec le dragon. Parce que ça, j'avoue que ça me posait problème, je crois. Voilà. Oh non! Mais c'est dingue! Mais pourquoi il me touche? C'est ça, c'est un bug, hein. C'est un bug. Putain, laisse tomber. Ah, je suis dégoûté! On va jamais l'avoir, quoi, putain. Ah, d'accord. J'étais mort vu qu'il faisait la chèvre. J'ai regardé sur le net. C'est abusé, putain, qui bug comme ça? C'est quoi ce bug?
donc ils nous balancent des sortes de bombes, enfin des mines. Ça c'est... C'est un truc rose, ok. Cette phase elle a pas l'air très longue mais... Oh putain mais... Les flammes en fait elles nous suivent. J'avais pas fait gaffe. Je pensais qu'elle faisait le tour de l'écran. Mais... Oh non. D'accord, d'accord, d'accord. En fait, le dragon... Le dragon, faut l'éviter. Ouais. Faut pas aller complètement à gauche. C'est chelou, en fait. Et pourquoi tu tires pas? Mais what? Comment tu fais pour... pas encore compris ces attaques là. Donc ça c'est la hache. Avec... Les plateformes bougent toutes seules. Ah d'accord, c'est le truc rose qui pète. D'accord, 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 d'accord. Ça c'est la troisième forme. C'est pas ça. Merde. Donc il envoie des trucs. Je sais pas pourquoi l'autre de droite il est parti. Est-ce que je l'ai tué peut-être? On va retry. Oh non, mais non. Ah. J'avoue que le dragon, mais... Ça c'est vraiment une attaque que je comprends pas. Ah oui, bien sûr, ah, mais j'ai fait le saut, putain. Ah là, j'ai sauté deux fois aussi. Moi, ce qui est bien, c'est qu'on arrive toujours à cette phase. Ça, c'est une bonne chose. Ah, attendez. Je me demande en fait si pour la phase, la deuxième, troisième phase et tout, si ça serait pas mieux le lobe en fait. Oh le con. La première phase, ça dépend vraiment des attaques qu'il fait quoi, si on perd un cœur ou pas. C'est vraiment dépendant de ses attaques quoi. Thank you.
Bon, maintenant, la première phase, ça va. Hein. Mais tire! Parfois, ça bug, putain. C'est un truc de ouf. Hein. Oh putain. Ok. Ça, c'est. Ok, ok, ok. D'accord, c'est bien une bombe. Donc, ça, c'est la hache. Ok. Et on fait la hache. Là. Je me suis dit, j'allais pas avoir le temps de sauter donc. Mais meurs! Putain, il meurt pas. Bon. Non! Le con, putain, il a fait deux en même temps. Ok, donc eux, on les touche. Comme une grosse merde. Ah la vache, elle est vachement longue cette phase. Ah ouais. Ouais, à mon avis. Ouais, vaut peut-être mieux le lobe. Ouais. Ouais. On va essayer avec le lobe. Je suis content. C'est un bon boss. Après, faut voir la dernière forme. Ça va, il est faisable. Après, c'est juste une question d'entraînement, quoi. Là, j'ai plus le tir, en fait, téléguidé, donc il faut que je fasse gaffe. Oh putain, ça commence bien. Si on est attentif, on peut quand même le faire sans se retoucher. J'ai envie de dire encore heureux. Mais putain! D'accord. La bombe en fait. Ah d'accord. Tu fais n'importe quoi. Ouais. Bonjour, je fais n'importe quoi. Je fais vraiment n'importe quoi en plus. Et la bombe, il vaut mieux l'éviter en fait. C'est lui à gauche qui arrive en première. D'accord. Ok. Oh, j'aurais dû me baisser. Ah ouais, c'est un petit peu mieux cette arme. Mais même, ça lui fait pas beaucoup de dégâts quand même, je trouve. Putain, elle a beaucoup de vie la troisième forme. Oh non, pas le dragon. Oh non. Et voilà.
encore ce maudit bug. Ok, d'accord. Quoi ça déjà? Oh non! Ouais. Ça c'est super chaud, je trouve. C'est l'attaque la plus chaude à éviter. Avec le dragon qui bug, il y a. D'accord, 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 d'accord. Ça, ça nous touche pas si on arrive à bouger dès le début. Non, pas le bug! Pas le bug! Moi, c'est le diablotin qui m'a touché. Putain, mais je l'ai touché genre 3 fois, il a déjà un quart de sa vie en moins, quoi. C'est vraiment bizarre. Hein. Putain, mais non. Et voilà, on s'est touché par le bug. Qu'est-ce que c'est que ce maudit bug? Mais c'est quoi ce truc, là? Ok, elle est boule. Ça déjà. Oh! Oh non! Oh non! Non! Mais. C'est un petit peu abusé qu'à chaque fois qu'il fasse son attaque dragon sur la droite. On se fait toucher, mais à 100%, c'est obligé. Alors que quand il fait sur la gauche, on se voit toucher. C'est vraiment débile. J'espère que ça sera corrigé au prochain patch, quoi, parce que... Perdre de la vie comme ça, mais c'est... Ah, ok. Ok, bien sûr, oui. Je veux pas faire une bombe sur le rayon de tout l'écran, aussi, comme on dit. Quoi ça? Okay. Là j'étais mort, j'ai pas eu le temps de voir mon super. Un petit peu con. Dans la deuxième phase, elle est quand même facile. La première aussi, suivant les attaques qu'il fait. Il nous fait pas l'attaque du dragon en fait, ça va. Merde. J'ai mis un petit peu de temps, le temps de tilter que c'était cette attaque.
Ah et ça y est, fais ton dragon pourri. Ah bien sûr, on se fait pas toucher, hein. C'est vraiment dommage que dans un jeu qui soit aussi pointu qu'il y ait des bugs pareils, quoi. Ça devrait pas exister. Mais bon, c'est dommage. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Ah le salaud. Ah le salaud x2. Là j'ai l'invincibilité. Merde, je suis allé sur la mauvaise plateforme là, au mauvais moment. Est-ce que quand il ferme les yeux, on touche ou on touche pas, putain? Bah, c'est dingue, je fais pas de dégâts quoi. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Alors là, j'avoue, qu'est-ce qu'il faut faire? Y a des larmes roses, ok. Ouais, j'avoue que je sais pas trop. On va voir. Je crois que je touchais, enfin, je tirais sur ses yeux, mais il me semble pas que je touchais. Ou alors peut-être que je tirais pas sur ses yeux, je sais pas. C'est là. Merde. C'est là où j'aimerais bien. Mes putains de flammes, mais bien sûr. Bien sûr. C'est là où j'aimerais bien avoir le tir à tête chercheuse. Comme ça, au moins, on sait ce qu'il faut viser. Bon, 40 minutes. Qu'on le tue ou qu'on le tue pas, faut que j'arrête dans 20 minutes. On va pas faire une vidéo de 3 heures. Je pensais pas que c'était ça. Je pensais que c'était. Ah putain, les flammes aussi, elles sont chiantes. J'avoue, les flammes, elles sont vraiment chiantes.
Mais bien sûr, fais tout popper sur moi, ouais. Voilà. Je crois que... Mais putain, mais j'ai sauté. Cette phase, putain, mais elle est vachement, vachement courte, quoi. Non. Ah mais non, mais tout à l'heure où j'ai cru que j'allais me faire avoir, je me suis pas fait avoir, et c'est quand je me suis dit ah ben là c'est bon, ça passe pas en fait. C'est l'inverse. Ah. Ouais. Il y a de la vie quand même hein, sur cette phase, putain. Il y a vraiment de la vie, mais je préfère garder l'invincibilité pour la dernière en fait. Allez, bon. Maintenant il commence toujours par cette attaque, c'est nouveau. Oh non, pas les flammes de merde. Mais... quoi ça? Putain, ouais. Allez, mais jamais les boules ne viennent à côté de nous dès le début en principe. Cool. Le dragon bugué. Il m'a pas touché là. Je reprends espoir un petit peu. Avec le dragon bugué. Même si j'avoue que je comprends pas pourquoi des fois il me touche quand je suis à gauche et pas à droite. Hein. C'est vraiment un mystère et boule de bile quoi, le truc. Quoi ça? Oh, c'est la flamme. Ah, mais bien sûr, l'autre qui arrive, mais pile à ce moment-là. Ah, d'accord. T'es sérieux, là? Mais bien sûr!
Il y a un truc aussi qui est pas du tout logique. Ah, d'accord, bien sûr. C'est que les démons roses, mais parfois... Mais ils explosent à une vitesse de ouf, quoi. Parfois, ils vont mettre genre 10 secondes pour exploser. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Est-ce que ça suit une logique? Et les sortes de tasses qui arrivent à nous tuer. Oh putain, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ça a été caché par le truc de la tasse qui arrive. Qui s'est bien positionné, j'ai pas fait gaffe. Mais... Le pire en plus c'est qu'il est simple quand même comme boss. À part la dernière phase où je sais pas encore ce qu'il faut faire. Mais sinon, c'est pas un boss très très dur. Quoi. Pour un dernier boss. Oh non. Est-ce que... Non, c'est complètement aléatoire les trucs de tasse, c'est aléatoire. Oh putain, j'aurais dû mettre l'invincibilité. Tant pis. Putain, ils sont nombreux là. Ah, ça pète de partout. Ah. J'ai sauté trop tard. Oh non, c'est des trucs de merde. Il aime bien l'araignée aussi, hein. Oh mais non, j'ai tiré pourtant. Non, il vient pas vers moi, toi. Non, dégage.
Enfin, c'est vrai que je pourrais les parer, mais... Je pars rarement les trucs, en fait, dans le jeu. Je sais pas pourquoi. En fait... D'accord. On le touche pas partout. Merde. Mais... Putain, merde. Je vois pas où c'est qu'on le touche, putain. Donc là... Faut tirer où? Ah, d'accord, faut tirer là. Ah merde, ça nous tue. D'accord. Les larmes nous tuent. Allez, allez. J'avais oublié. Les trucs gros, ça nous touche. Je vais le prendre. Putain, mais... Il a lu dans mes pensées, là. C'est petit commentiste, ce truc. Ah oh, putain, la flamme. Non. Ça va, il nous a pas touché. C'est une bonne chance, en fait. Quoi? C'est où là? Il faut vraiment que j'utilise les boules roses en fait, putain. C'est con. Vraiment con quoi. C'est là pour nous aider et je les utilise pas du tout en fait. Je tire complètement à côté. Quoi ça? Ah ouais, putain. Oh, oh putain. Ou alors le fait que cette phase soit facile, c'est parce que j'inflige énormément de dégâts durant la première. Je sais pas. Un truc comme ça. Non ? Elle est où la hache? Bon. Putain, j'ai désaxé, le con. Ne faisant pas de mauvais jeu de mots, axe désaxé. Putain, déjà? Est-ce que c'est rapide? Ah! Non! Ah oui, bien sûr. Oh putain. Là je l'ai vraiment fait mais au bon moment. Allez. Je crois qu'il a bugué le boss là. Je sais pas pourquoi mais... C'est très chelou en fait ce qui se passe. Ah putain, il s'est transformé. Pile au moment où j'ai sauté, il s'est transformé en vrille. N'importe quoi.
Ah, ça y est, je commence à faire n'importe quoi. Quoi? On avait déjà un autre. Ah, c'est la boule. Ah non, c'est les flammes. Ah, les flammes, putain. Ah, mais... Elles sont horribles, les flammes. Bon, c'est fini. Putain, mais des fois, l'araignée, elle dure super longtemps. Quoi. Ça. Foncer dessus. Merde, j'aurais dû faire le truc sur le rose. À chaque fois, j'oublie, putain. Après, je peux, maintenant que je maîtrise mieux le boss, je peux essayer avec la smoke, je sais plus quoi là. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Ouais. Donc je sais pas trop. Le con! Attendez. Non? Oh mais non! Mais non! Okay. J'aime comprendre en fait comment le boss marche. Ok, d'accord. D'accord. En fait, les rochers s'élèvent et après il y a la tasse. Enfin, la tasse de café qui tombe sur nous, d'accord. Je viens de comprendre en fait. 60 minutes pour comprendre ça. J'avais pas fait gaffe. Ah, d'accord. C'est ça qui nous indique en fait que la tasse va nous tomber dessus. Eh bien, je ne savais pas. Au moins, j'aurais appris un truc. Donc, quand la plateforme se surélève. La tasse de café me tombe dessus. Bon, ce sera bon pour la prochaine fois. En tout cas, là, ça fait 60 minutes, donc j'ai arrêté la vidéo ici. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.